Salam alaikum, salam à tous. Mounir Mouns. Les frérots, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous bien. Les frérots, toute la France, elle est envahie de militaires. Et vous, comme vous pouvez voir, c'est même pas des militaires français, c'est des militaires mexicains et albanais. Donc moi, j'étais en voiture, je voulais passer. Je vais, tac, il y a un militaire, il m'arrête. Il me dit, tu vas où? J'écoute, je dois passer par là. Il me dit, descends de la voiture. Je descends, il me met une balayette, un coup de pompe. Il me dit, hey, tu sais que tu peux pas passer par là. Je dis, comment ça? Il me dit, on a eu interdiction, on a eu ordre par monsieur Lacrime que plus personne n'y passe par là. Je dis, comment ça? Il me dit, c'est son anniversaire. J'ai dit, ah, ok, excuse. Et là, je me suis excusé. Je dis, bah, Lacrime, il va et tout. C'est où qu'il va faire la cérémonie et tout? Ils m'ont dit, écoute, Lacrime, c'est un grand king. Il y a que des élites. Toi, t'as un bras. Ils m'ont mis un coup de pompe. Ils m'ont dit, tu dégages, je rentre chez toi. Là, je suis rentré chez moi. Et j'ai dit à tout le monde, j'ai dit, ah, mais c'est ab, les gars. On a retrouvé Lacrime, le grand king. Oui. Et en plus de ça, on a pu remarquer aussi que depuis ta dernière là, prestation que tu nous as fait avec tes deux portiers, là, bim, bim. Et l'autre, là, comment il s'appelle, là? Et l'autre, là, Mister You, là, t'as un Zboubetti. On a vu que tu les as virés. Tu les as virés, t'as pris deux clubs. Regardez, mesdames et messieurs. Et maintenant, on a compris pourquoi t'as une prestance. Parce que t'as remarqué que les deux clubs réels, c'était mieux que les deux clubs humains. Toutes mes félicitations et on espère vraiment, Mister Lacrime, que cette année, parce qu'il paraît que chez vous, dans les narcotrafiquants, que chez vous, dans les Mexicains, plus vous vieillissez, plus vous êtes nerveux. Et là, on s'entend une année de malade mentale. Ça veut dire cette année, tu vas être encore plus nerveux que l'année prochaine. Lacrime, on entend tes sons de malade mentaux. On est tous derrière toi. Et Harry, je vais acheter ma trille militaire. Je veux travailler pour toi. Je veux t'envoyer un CV. Regarde ta boîte mail. Salam alaikum.